Bonjour YouTube, bonjour Mélilos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Comme toujours, si je suis là, c'est par sa grâce. Alors, j'espère de même que pour toi qui me regarde. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, je reviens avec une nouvelle vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci du très fond de mon cœur. Merci de vos abonnements. Merci pour les partages. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Et ça va droit au cœur. Si c'est pour la première fois que tu vas me regarder, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Et si tu as une question, n'hésite pas de poser ta question. Alors, right now, va appeler toutes les femmes qui aiment tes marrons, toutes les femmes qui n'aiment pas le tchatchouli là, appelle toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes-là qui ont peur, oh non, moi je veux pas les lotions là, ça éclaircit, mais pourtant elles utilisent les lotions là en cachette. Appelle toutes ces femmes. Si c'est ta copine, appelle-la. Venez, on va parler. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler d'une lotion qui est composée des trois ingrédients naturels qui nourrit la peau et qui aide à hydrater la peau des ingrédients naturels. OK? Et cette lotion, oh, c'est une lotion qui est ultra hydratante, ultra hydratante à partir de ses compositions, de ces trois grands ingrédients, j'allais dire en anglais, pour ces trois grands ingrédients qui constituent cette lotion, qui donnent cette lotion cette possibilité d'avoir la puissance d'hydrater en profondeur, d'améliorer votre peau, d'unifier votre peau. OK? La lotion en question, c'est la lotion Goat Milk. Je ne sais pas si tu as déjà entendu de la lotion Goat Milk. Si tu n'as pas encore entendu, si tu cherches la lotion qui va juste te laver la peau naturellement sans avoir de problème, voilà la lotion. Si tu es fatigué d'utiliser Jergens, Mixa, Bébé, toi et moi, je ne sais pas comment vous appelez les lotions là. Si tu es fatigué d'utiliser le lait Rico, si tu es fatigué d'utiliser le lait Nivea, voilà une lotion qui va hydrater ta peau, unifier ta peau au même moment et nourrir ta peau. OK? Et ça va légèrement exfolier ta peau. OK? Une lotion qui sent très bon. Quand on entend goat milk, c'est le lait de la vache. Non, non, pas la vache. Comment vous appelez ça? Le cabré. Le mouton. Voilà, le mouton. C'est le lait de mouton. Vous savez que le lait contient le lactide acide qui aide à exfolier la peau. Et dans les temps passés, j'entendais. Soi-disant, les Américaines dormaient dans les baignoires pleines de lait. Donc, elles mettaient le lait dans le baignoire et faisaient rester dans le lait pendant des heures et des heures pour aider à exfolier leur peau avec ce lait. J'ai entendu ça quand, nouvellement, je suis arrivée ici. Parce que j'étais là, oh, pourquoi ils sont... Je voyais des filles, des femmes avec une très belle peau. J'ai dit, oh, mais la fille a une très belle peau. Et quand tu vois comme ça, c'est sûr, elle dort dans le lait. C'est ce que j'entendais. Or, il y avait comme l'anglais à l'époque, je ne comprenais pas. Et comme les Africains aiment trop parler, ils connaissent trop beaucoup de choses. Et voilà, oh, mais eux, ils dorment dans le lait. Ça les aide à donner la belle peau. Elles ne savaient même pas, elle et moi, on ne savait même pas que le lait contenait le lactique acide qui exfoliait la peau. Donc, au lieu d'aller faire tous ces bricoles-là, voilà le lait au lait de mouton pour aider à exfolier ta peau naturellement. Donc, ça contient du lactique acide naturel. Donc, le lait de mouton,
ça contient la vitamine E, ok? Ça contient la vitamine E, c'est-à-dire, et ça, la collagène, ok? Donc, la collagène, lactique acide et la vitamine E, tous ces ingrédients-là ensemble te donnent, quand tu l'appliques, tu te donnes une peau souple, une peau nourrie, une peau pleine de vitamines, une peau qui vit. Ok, je vois beaucoup de femmes avec une peau morte. Je vois ça, beaucoup de femmes avec une peau morte. Des fois, tu te dis, est-ce que celle-là, elle sait que il y a le gommage au sucre qui existe là? Why are you walking around with that kind of skin, like, to be honest? Yes, je vois ça beaucoup. Ok, donc cette lotion va. Tu fais ton gommage, ok? Tu n'as pas besoin de travailler beaucoup, juste ton petit gommage au sucre là. Tu passes ton petit gommage après la douche. Tu viens, tu appliques ton lait matin et soir, ok? Matin et soir. Cette lotion là contient la protection UV, donc ça te protège aussi contre le soleil au même moment. Ça sent très bon. Oh, l'odeur de ça. Les femmes riches, en tout cas Mikoloyo, si tu n'es pas riche, tant pis pour toi. Mikoloyo, si tu n'utilises pas une lotion des femmes riches, des femmes bien posées, les femmes qu'on dit oui, c'est une femme qui est passée là, c'est ton problème. En tout cas, ne viens pas me condamner, ok? Ne viens pas me condamner. Va chercher la lotion des femmes posées, une lotion des femmes chères. Une lotion, quand tu l'appliques, des femmes positives, quand tu l'appliques, tout va glisser dans la vie. Des bonnes lotions. Là où tu passes, tu sens bon. Des bonnes lotions. Ok? L'odeur de ça, je t'ai pas parlé de l'odeur. L'odeur de ça, une odeur très doux, très doux, très doux, très. Oh my God, ça sent très bon. Ça pénètre très bien. Excusez, la sonnerie là, c'est mon dryer, ok? C'est mon séchoir. C'est comme ça on dit, non? Machine à sécher des habits qui a fini le cycle. Alors, ça sent très bon. Ça ne sent pas le chocolisé. C'est une lotion que tu peux appliquer matin et soir. Ça ne sent pas le choco. Et des lotions comme ça te donnent une peau unifiée. Mais quand je dis unifié là, une peau unifiée, bien nourrie, bien brillante, ça donne les clartés et ça fight contre les vieillissements. OK? Et pour les gens de Tchatcholi, c'est une lotion que tu peux utiliser durant les moments que tu prends pause ou juste tu veux hydrater ta peau. Ça, c'est des bonnes lotions à remplacer. Les Jergens là, les Nivea, les c'est pas quoi, quoi, quoi. Laissez ça. Cherchez des vraies lotions qui vont hydrater la peau, qui vont nourrir la peau au moment où vous prenez les pauses pour ceux qui utilisent les abracatabracatabra. Ok? Une très bonne lotion. Ça sent bon. Ok? Oh, je mets ça sur mes mains. On me demande, what do you use as lotion? Oh, tu as utilisé quoi comme parfum ou tu as utilisé quoi comme lotion? You smell good. Quand je mets ça, c'est comme ça. Je passe à côté d'une personne. Oh, you smell good. Yes. Une lotion hydratante pour la peau. Les moments que tu prends les pauses là, c'est une lotion pour les tchatcholis. Quand vous finissez avec les abracadabras, c'est une lotion que vous pouvez prendre pour utiliser pendant 2 semaines pour vous nourrir votre peau au naturel. Ok, pour nourrir votre peau au naturel. Tu l'achètes où? En ligne. Tu tapes seulement Gold Milk Body Lotion. Ce qui demande le titre, le nom de la lotion sera le titre de cette vidéo. Donc, tu tapes seulement le nom là sur Google, ça va te sortir là où tu vas acheter ça. Une très bonne lotion. Rappelez-vous, les formules, yaba côté wana, ça donne très bon sur la peau. C'est des formules qui te donnera pas de problème. Ok, je te garantis, c'est des formules qui ne donnent aucun bobo sur la peau. C'est des formules qui juste glissent sur la peau. C'est des formules qui donnent sur tout type de peau. Tout type de peau. Ok, ça sent tellement bon, mais je ne vous dis pas. Ça sent, en tout cas, c'est une lotion qui sent très bon. Ok, alors, j'espère que ça va aider une de mes mamans
Mikoloyo, des lotions des femmes riches, des femmes posées, des lotions qui sont bonnes. Ok, laissez un peu les blabla du pays là, laissez ça d'abord, laissez ça pour nos mamans qui sont au pays. Ok, nous on utilise ce qui est ici là ou qui vient de l'autre côté là-bas. Ok, ce qui est pour le pays là, laissez d'abord ça pour une pause pour les choses du pays. Ok, so voilà ce que j'avais à partager avec vous sur cette vidéo. Je mettrai la photo de la lotion en miniature et je mettrai la photo de la lotion ici là comme toujours. Et sur ce, je vous dis des gros bisous. Vraiment, portez-vous bien, que notre Dieu nous protège tous et que la semaine puisse finir en bonté. Alors, je vous dis bye bye et on se retrouve sur une autre vidéo. Ciao.